Bonjour à tous, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre Porsche 917 h de chez Itso Collection avec notre avant-dernier Tolly. Donc, comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, rejoignez au groupe Facebook de construction et on est parti pour découvrir les deux premiers numéros de cette box 24. Alors, notre Boxman 4, championne du monde, la 908 coupée. Les pièces 93 avec l'assemblage du panneau de capot arrière et réajustement des durées de l'essence. Donc moi, je vous le dis tout de suite, toutes les durées de l'essence, je ne pourrais pas le faire. J'avais tout collé, donc je ne pourrais pas les défaire. Notre résultat final, le 94 avec l'assemblage des déflecteurs et montage du panneau de capot arrière. Notre résultat final, le 95 et le 96 qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors les pièces dans le 93, en A, on a le panneau de capot arrière. En B, c'est les supports de fermeture, il y en a deux. En C, les fermetures, il y en a deux également. Ensuite, les autres pièces, c'est les durites de remplacement, tout. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne pourrais pas le faire comme j'ai tout collé. Et on a des vis AP. Donc, cette affaire va être rapide à faire. On prend les pièces B, les C. On vient les emboîter dessus. En mettant la partie comme ça vers le bas. On vient les mettre en place ensuite sur notre pièce. Donc on voit qu'il y a un picot à mettre. On retourne et on y met une vis AP. Pareil avec la deuxième. Et voilà déjà pour notre numéro 93. On passe au 94. Alors, les pièces de ce numéro 94. Ah, on a le déflecteur gauche, donc, qui est marqué d'un L en plein milieu ici. En B, c'est le roi marqué d'un R cette fois-ci. En C, on a notre feu de capot arrière. On a des vis IM et des vis NP. On reprend ce qu'on a fait précédemment. On prend lui marqué du L. On va venir le mettre en place juste ici. Et on va le tenir avec quatre petites vis NP. On fait pareil ensuite avec le deuxième. On récupère la partie arrière de notre carrosserie. On vient la mettre à l'envers.
Alors, par contre, il faut faire gaffe à cette pièce-là, justement, qu'on la met à l'envers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre des petits morceaux de polystyrène pour surélever. Chaque côté, voilà. Ça évitera de casser cette pièce-là. On vient positionner notre ensemble par-dessus ici. On le tient avec quatre vis IM. Pareil du tout, quand vous le retournez, faites attention aux deux petites pièces qui sont là, de ne pas rester de les casser. De mettre sur du polystyrène, comme ça rehausse, ça évite de le casser, on ne sait jamais. On prend ensuite notre pièce C et elle, on vient de l'emboîter dans le trou qu'on a juste ici. Avec la partie blanche vers l'intérieur. Et voilà pour ce numéro 94. Et voilà, ça y est pour ces deux numéros. Donc ça va vraiment être superbe. Bientôt la fin de cette collection. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!